Bonjour et bienvenue aujourd'hui, je m'appelle Christian et nous avons avec nous Marie-Laure. Voilà, c'est les aléas du direct. Nous sommes avec envoiture.ch aujourd'hui pour tester cette magnifique Jaguar e-Pace et bien sûr avec le garage Émile Frey à Crissy. Je trouve qu'elle est hyper confortable dans le sens où là on a passé sur des pavés, donc on s'est même pas fait secouer, c'était vraiment, ça amortit vraiment très bien le choc. On a passé sur des dodones également où là alors c'était cadeau, un vrai cadeau. On est bien, il y a une bonne assise, on n'est pas amené au bateau. C'est trop bien parce que ça sent bon. Il y a tous les gens qui nous regardent tellement on est des stars. Le tableau de bord, il est vraiment super ergonomique. On voit que les matériaux sont nobles. Et on a du cuir, on a des surpiqûres qui sont vraiment sympathiques aussi. Je vois qu'il y a des programmes différents, il y a des modes différents. Donc je pense qu'il y a un mode sport, il doit y avoir un mode confort et puis il doit y avoir un ou deux modes encore intermédiaires, peut-être économiques. Compact, elle est hyper compacte. C'est une body haut, puis même les gens. Alors là, il y a des gens à côté de nous. Tout le monde se retourne, tout le monde la regarde. Donc ouais, c'est marrant, hein. Elle attire l'œil. On y va, 2, 3. Mon mec à moi, il aime les voitures. Et avec la Jaguar E-Pace, il prend son pied. Je dis la petite frimousse. Parce que, ouais, elle a une petite gueule sympa. Quelque chose comme ça. On ira au Tessin, c'est un peu une seconde patrie. Et puis, ben, déjà, pour faire le Cento Valley, ouais, et puis faire le Cento Valley parce que c'est une voiture qui doit complètement être adaptée pour ça. Cento Valley, c'est environ 165 virages, gauche-droite, ça monte, ça descend. Elle a tout à fait sa place là-bas. Mm-hmm.